Jean-Baptiste Hennequin, au grand hôtel de Saint-Quentin, en Picardie, où il était veilleur de nuit, on aurait dû se méfier de cet homme, certes intelligent et cultivé, mais aussi ronchon et aigri, qui pendant des années a accumulé les haines et les ressentiments. Il détestait ses patrons, il les a tués à coups de hache. Il jalousait une de ses collègues réceptionnistes, il l'a tuée elle aussi. Mais pourquoi ? Que lui avait-il fait qui mérite une telle vengeance ? En tout cas, il est allé au bout. Il a signé son crime, il l'a assumé sans chercher à fuir ses responsabilités, sans chercher à se cacher derrière son enfance meurtrie. Lundi 20 janvier 1997, à Saint-Quentin, 60 000 habitants, dans l'Aisne, au cœur de la Picardie. Il est 10h40 quand les pompiers reçoivent un appel. Deux personnes ont perdu connaissance au Grand Hôtel. C'est l'établissement chic du centre-ville. Pompiers de Saint-Quentin, bonjour. Un véhicule de secours part immédiatement. L'adjudant Rémi Bournic dirige cette sortie de routine. Quand on part pour l'intervention pour deux personnes inconscientes au Grand Hôtel, on peut supposer que ce sont des clients qui ont eu un problème lié à une intoxication quelconque. Mais ça n'est pas une intoxication. C'est un drame qui vient d'avoir lieu au Grand Hôtel. On est accueilli par un membre du personnel de l'hôtel qui nous dirige au premier étage. Et là, au premier étage, il y a un groupe de personnes, femmes de chambre, enfin employées de l'établissement, qui est là et on se rend compte en voyant les gens qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Ils ont vu quelque chose d'impressionnant. Chambre 101, la porte est ouverte, la lumière allumée. Le pompier entre. Et là, dans cette chambre, on découvre un premier corps à l'entrée de la chambre, en partie vestibule, en partie chambre, le corps d'un homme à plat ventre. L'homme est mort. L'adjudant Bournic avance encore. Et à la suite, il y a le corps d'une dame à plat ventre aussi, au pied du lit. Morte elle aussi. Le pompier n'avait jamais vu un carnage pareil. Les deux corps, on voit tout de suite qu'ils sont pleins d'objets tranchants, des pieds à la tête, et il y a du sang partout dans la chambre, sur le lit, par terre. Il y a quelqu'un qui s'est acharné sur les deux corps, quoi. Le personnel de l'hôtel connaît bien les victimes. C'est Léo Roupioz, le propriétaire de l'établissement, 73 ans. Et Gisèle Künzler, sa compagne, 69 ans. Et au milieu de ce carnage, une mise en scène étonnante. Sur le dos des deux corps, on trouve des papiers de forme carrée, manuscrits, indiquant plusieurs choses, des papiers auxquels on ne touche pas. On dirait des lettres. Il y est question d'humiliation, de chantage, d'acharnement, d'indifférence, de refus de dialogue. Comme si le meurtrier avait voulu justifier ses crimes, mais sans les signer. Et les pompiers n'ont pas le temps de souffler. Quand on sort de la chambre, le personnel de l'hôtel nous indique qu'il manque du personnel, qu'il manque deux personnes, la réceptionniste et un groom. Et ils ne savent pas où ils sont. Ils étaient censés prendre leur service à 7h du matin et personne ne les a vus. Et si c'était les tueurs ? Ou s'ils avaient été tués, eux aussi ? Au Grand Hôtel, c'est la panique. On a une certaine angoisse qui monte parce qu'on ne sait pas qui a fait ça, si la personne qui a fait ça se trouve encore dans l'établissement. Donc on est assez angoissé. La police de Saint-Quentin débarque au Grand Hôtel. Il faut sécuriser les lieux et surtout lancer l'enquête. Pour les pompiers, l'affaire s'arrête là. D'autant qu'au même moment, un nouvel appel arrive à la caserne. Cette fois, il s'agit d'un feu d'habitation dans un petit immeuble, rue de l'Est, au numéro 33, deuxième étage. Le feu a pris dans un studio de 15 mètres carrés. Le feu est arrêté depuis un petit moment, mais la fumée subsiste dans l'appartement. Donc on procède aux ventilations.
Quelque chose cloche dans cet incendie. L'appartement est totalement retourné, comme mis à sac. On s'aperçoit quand même qu'il y a divers départs de feu à d'endroits différents, avec des papiers, des vêtements. C'est suspect d'entrée. C'est un incendie criminel. Mais qui a pu mettre le feu à ce studio délabré? Et pourquoi? Une fois notre intervention terminée, nous prenons les renseignements du nom du sinistré, du logement. Il s'avère qu'après renseignement, c'est M. Hennequin. Il est veilleur de nuit au Grand Hôtel. M. Hennequin, aucun de ses voisins ne l'a vu ce matin. Mais la coïncidence est étonnante. Un incendie chez lui, alors qu'un double meurtre vient de se produire dans l'hôtel. Les pompiers transmettent tout de suite l'information aux policiers. Commissaire Panadio, vous vous rendez donc au Grand Hôtel dès l'annonce du drame. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette chambre 101 ? Bah, une image déjà de grande violence. Des personnes au sol qui sont très, très touchées par des plaies multiples, notamment au niveau des crânes. Il y a beaucoup de sang ? Il y a beaucoup de sang. Au niveau des corps, il y a des cheminements, il y a un certain nombre de traces qui sont un petit peu, comment dire, dispersées dans cette grande chambre. Alors, deux papiers sont posés sur les corps. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ces papiers ? Deux papiers, ce sont des petites feuilles quadrillées où il y a écrit, pour l'un d'entre eux, pour 5 ans d'humiliation, de diffamation, de chantage, de fausses accusations, de perpétuels acharnements à semer la discorde parmi le personnel, que cela te serve à toi et à tes semblables, pour le premier. Premier papier. Pour le monsieur, il y a écrit pour ton indifférence, ta présomption, ton refus du dialogue, pour tes affaires douteuses et leurs victimes. Fini Bangkok et tout ce qui va avec, fini les yeux, bon marché. Toi qui te prenais pour le prima inter pares, que cela serve aussi à tes semblables. Spontanément, quand vous lisez ces textes posés sur les corps, ça ouvre quelle piste ? Ça dit quelque chose. Au niveau de la calligraphie, la façon dont c'est écrit, ça me dit quelque chose. Ah, vous reconnaissez l'écriture ? C'est pas une reconnaissance formelle. Ça commence déjà à germer quelque part. Et puis arrive une forme de confirmation avec un événement que les pompiers nous relaient, à savoir qu'il y a eu un incendie criminel dans un appartement, rue de l'Est. Et à ce moment-là, il y a un titre. Parce que rue de l'Est, c'est quelqu'un qui me dit quelque chose, puisque j'ai reçu cette personne quelques mois auparavant dans le cadre d'un conflit de voisinage, et j'ai demandé ensuite qu'on sorte le dossier de cette personne qui avait déjà fait des écrits, pour qu'on puisse comparer les écritures. Donc cette personne s'appelle Hennequin. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Comment se fait-il que vous vous souveniez comme ça de l'écriture de Jean-Baptiste Hennequin, qui est venu porter plainte quelques mois auparavant pour quelque chose qui n'a rien à voir avec un meurtre ? Disons que quand on reçoit quelqu'un, on sait aussi quel était son vécu. Donc c'était quelqu'un qui était veilleur de nuit. Donc ça s'associe quelque part. Et ensuite on fait des vérifications. Et après je me rends compte, avec le travail des enquêteurs, que cette personne-là travaille dans ce grand hôtel. Donc il y a une connexion. De toute façon, il fait partie des 3 employés de l'hôtel qui ne se sont pas présentés au travail ce matin-là. De toute façon, il fait partie des 3 personnes qu'on n'a pas pu voir, qu'on n'a pas pu rencontrer. Donc un veilleur de nuit, étant donné l'heure à laquelle nous sommes prévenus, il est normal qu'il soit reparti dormir. Ce n'est pas exceptionnel. Qui manque-t-il d'autre ? Il nous manque la personne qui vient le relever, donc on va dire la veilleuse de jour, l'accueil de jour, et un garçon d'étage qu'on n'a pas pu encore rencontrer. Un groom. Les policiers de Saint-Quentin fouillent l'hôtel de fond en comble. Le ou les meurtriers sont peut-être encore là. Et il faut retrouver les 2 employés qui ont disparu. Le groom, Philippe Bertrand, il a 22 ans, et la réceptionniste, Michel Fabrice, âgée de 25 ans. Salle de réception, chambre, couloir, ils ne sont pas là. Après les étages, l'inspecteur Panadio et ses hommes passent au sous-sol, visitent les caves. Et là, derrière une porte verrouillée, il découvre le groom. Il est terrorisé, mais il est sain et sauf. Il raconte
Philippe Bertrand explique qu'il est arrivé ce matin à 7 heures au Grand Hôtel pour prendre son service. Comme tous les jours à la réception, il a croisé Jean-Baptiste Hennequin, le veilleur de nuit. Je dis bonjour à Monsieur Hennequin, je lui demande si ça a été, combien qu'il y a de clients à servir. Et bon, il fait le point, on fait le point, disons quoi. Et ensuite, de ce pas, je vais au premier étage, me changer en habit de groom. Et donc, ensuite, je redescends. À ce moment-là, Jean-Baptiste Hennequin demande à Philippe Bertrand de descendre au sous-sol. Il y a une fuite d'eau dans le local à produits d'entretien. Il faut qu'il aille voir. Le groom emprunte l'escalier qui mène aux caves. Le veilleur de nuit le suit. Il me dit, regarde vers le fond. Tu verras, il y a de l'eau. Et moi, je m'avance donc vers le local à produits d'entretien. Et c'est là qu'il m'enferme. Alors, je suis surpris, quoi. Je dis, pourquoi tu m'enfermes, quoi. Donc, mes termes ont été, fais pas le con. Je dis, j'ai des clients à servir. Les patrons, ils vont nous crier, quoi. Et c'est là qu'il m'a dit, ne t'inquiète pas, les patrons nous feront plus chier. Je les ai flingués. Philippe Bertrand supplie Hennequin de le libérer. Il s'inquiète aussi pour Michel Fabrice, la réceptionniste. Elle aussi prend son service à 7 heures. Elle doit être déjà là. C'est là également qu'il m'annonce qu'il a tué Michel Fabrice. Et après, il est remonté quoi, à l'étage donc pour s'occuper des clients, quoi. Le veilleur de nuit abandonne le groom dans la cave. Il gagne le rez-de-chaussée et sert les petits déjeuners aux clients présents dans l'hôtel, comme si de rien n'était. Après, j'essayais de l'appeler quoi, pour qu'il m'ouvre. Et donc, il est redescendu et c'est là qu'il m'a dit « N'essaie pas de faire quoi que ce soit, sinon… » Puis c'est là qu'il m'a fait voir son arme. Les minutes, puis les heures passent. Hennequin ne redescend plus. Il semble avoir disparu. Le groom reste seul jusqu'à ce que vers 11h15, les policiers descendent au sous-sol et le libèrent. Enfin. Commissaire Panazio, dans quel état avez-vous retrouvé le jeune groom ? C'est un très 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 mauvais souvenir pour lui certainement et pour nous aussi. On découvre donc une personne enfermée dans une réserve, derrière une porte grillagée, qui paraît terrorisée, oui, terrorisée on peut dire ça, qui est très très pâle, qui a du mal à parler tout simplement. Donc on établit un contact, on discute avec cette personne qui nous dit c'est Hennequin, il a tué les patrons. Il a du mal à l'exprimer et nous on lui pose des questions effectivement sur l'autre personne qui devait être là, et nous dit elle est là, et nous montre la direction de la cave. Vous y allez ? On y va, on est trois, donc avec deux autres officiers de police. On ouvre la porte et on découvre donc cette jeune femme qui est étendue au sol, une mare de sang sous la tête, et puis un impact de balle sous l'oreille droite, et habillée, gantée, comme si elle venait d'arriver au travail. Donc, elle a été massacrée, elle aussi ? Elle a été tuée par balle d'une façon, c'est terrible ce que je vais dire, d'une façon propre. Mais ce qu'on découvrira plus tard, c'est qu'elle aussi a été massacrée à l'arme blanche. Tout à fait, elle a reçu des coups d'arme blanche. Ça a été découvert ensuite à l'autopsie et à le lever de corps. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de doute. Jean-Baptiste Hennequin, le veilleur de nuit, est votre homme. Il n'y a plus de doute depuis la déclaration du groom, du garçon d'étage. Les pièces du puzzle s'additionne, on va dire. Trois meurtres dans un hôtel du centre-ville de Saint-Quentin. L'affaire est sérieuse et logiquement, le procureur met la PJ d'Amiens sur le coup. Désormais, c'est le commandant Sarrazin qui dirige l'enquête.
Les hommes de la PJ d'Amiens investissent le Grand Hôtel et le passent au peigne fin. Sur la moquette de la chambre 101, près du corps mutilé de Gisèle Künzler, une douille de calibre 22 long rifle. Et dans le mur de la salle de bain, plusieurs impacts de balles. Au sous-sol, une autre douille près du cadavre de la jeune réceptionniste. Là aussi, calibre 22. L'autopsie des trois corps apporte peu d'éléments sur le déroulement du drame, mais elle révèle que les victimes ont été tuées avec une grande violence. On dénombre énormément de coups de hache donnés avec une violence forte, à tel point que certains membres ont été sectionnés, que les cavités, que les boîtes crâniennes ont été totalement délabrées. Et on ne peut pas démontrer à partir des investigations médico-légales qu'il y a eu plusieurs individus intervenus sur ces crimes. Ce triple meurtre a très bien pu être commis par une personne seule. Léo Roupioz a reçu au moins 5 coups de hache. Gisèle Künzler, 8. Son assassin lui a également tiré une balle derrière l'oreille sans atteindre de partie vitale. La même arme a été utilisée contre Michel Fabrice. Un tir dans la tête, fatal. Les coups de hache sont venus après. Les policiers font d'autres découvertes. La caisse de l'hôtel est vide. On a dérobé la recette. Et sur la table, il y a un mot. Encore de la main de Jean-Baptiste Henquin. Il a écrit « J'ai pris ma paye ». Et mes congés payés. Il indique avoir pris environ 12 000 francs qui correspondaient d'une part à ses émoluments pour le mois passé, mais également qui correspondaient à ses congés payés. D'emblée, Henquin veut impérativement démontrer qu'il est lui-même l'artisan de ce triple assassinat. Le commissaire Sarrazin ouvre le registre du personnel posé à la réception. Il y trouve un nouveau message d'Henquin. Il avait également inscrit à la rubrique correspondant à la réceptionniste que celle-ci allait être définitivement rayée des cadres puisqu'il avait également mis fin à ses jours. Le veilleur de nuit aime l'humour noir. Les recherches se poursuivent autour de l'hôtel. Dans le parking, les enquêteurs notent que la voiture de Michel Fabrice, une Polo noire, a disparu. Henquin l'a peut-être utilisée pour quitter l'hôtel. Le commissaire Sarrazin se rend chez le veilleur de nuit. On s'aperçoit que le logement est des plus précaires, pratiquement un taudis. Les objets sont sans dessus-dessous, les meubles sont à moitié démolis. Bref, une maison qui est pratiquement laissée à l'abandon. Rien n'est intéressant, on s'aperçoit simplement qu'il n'a pas pris son passeport et on récupère une photo de l'individu. Manifestement, l'homme est en fuite. La police judiciaire lance un avis de recherche dans toute l'Europe. On cherche aussi la Polo noire. Résumé du triple meurtre commis hier au Grand Hôtel, Jean-Baptiste Henquin, 61 ans, est toujours en fuite. Il est recherché par la... Dès le lendemain, 21 janvier, le drame du Grand Hôtel fait la une de tous les médias régionaux. Léon Coupioz, 72 ans, de sa compagne Gisèle Coupioz. C'est une affaire hors norme avec un retentissement phénoménal. C'est le fait divers le plus important à Saint-Quentin depuis l'après-guerre. Donc évidemment, ça alimente toutes les conversations. On a tout d'un coup la presse nationale qui débarque. Ça, en général, dans des villes de région, c'est un marqueur aussi de la gravité d'un événement. Il faut dire qu'à Saint-Quentin, le Grand Hôtel est une institution. Il accueille un restaurant gastronomique,
le président, une étoile au Michelin, c'est une table réputée dans toute la Picardie. C'est vraiment l'établissement sélect de Saint-Quentin, qui est une ville qui n'a pas une hôtellerie comme on peut en voir dans les villes touristiques traditionnelles. D'une certaine manière, c'est un lieu que les trois quarts et même plus de Saint-Quentinois fréquentent pas, mais connaissent pour les références qu'il représente. Le Grand Hôtel apparaît aux yeux des Saint-Quentinois comme l'établissement réservé à une certaine classe, réservé à des industriels, réservé à des VRP de haut niveau, réservé peut-être à une jet set. On sait que une certaine noblesse, passer des soirées, des nuits d'hôtel là-bas, lors de réceptions, aux alentours de Saint-Quentin. Quelques jours après le drame, des centaines de personnes assistent aux obsèques des trois victimes. Michel Fabrice, la jeune réceptionniste, elle venait de se marier. Gisèle Kunzler, une forte personnalité qu'au Grand Hôtel, tout le monde appelait Madame Gisèle. Et enfin, Léo Roupioz, le patron. À Saint-Quentin, il détenait aussi l'Hôtel de la Paix, d'autres restaurants et une boîte de nuit. C'était une figure en Picardie. Guy Dambre, vous êtes le maire d'une commune qui s'appelle Fayé et vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin. Et vous connaissiez bien Léo Roupioz, hein, le directeur de l'hôtel. Je l'ai connu en 1965 lors de l'inauguration du premier restaurant qu'il avait repris sur Saint-Quentin, qui s'appelait Le Brésilien. Mmh. Et suite à ça, j'étais un client avec ma famille, bien sûr, souvent au Brésilien. Et avec le temps, nous sommes devenus des amis. C'était ce qu'on pouvait appeler un notable à Saint-Quentin. Saint-Quentin, c'était sa ville privilégiée par rapport à son travail parisien. C'était sa bouffée d'air, d'oxygène qui venait prendre à Saint-Quentin souvent toutes les semaines. C'est quelqu'un qui comptait beaucoup dans la ville ? Roupioz, c'était un grand monsieur. C'était aussi un homme d'affaires quand même. Hein. C'est un homme d'affaires, en priorité. Au total, il avait combien d'établissements ? 5. Parlez-nous de son caractère, de sa manière de vivre. Beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition pour faire de la ville de Saint-Quentin une ville d'étape. Et puis en même temps, beaucoup d'innovations sur la restauration. Il voulait faire venir beaucoup d'étrangers. Et pour cela, bien sûr, il fallait les restaurants, les hôtels adéquats pour les recevoir. Et Gisèle Kunzler, vous la connaissiez aussi ? Oui. Gisèle Kunzler était natif de Saint-Dombière, un petit village qui est près de Saint-Quentin. Femme énergique, beaucoup de caractère, travailleuse. Autoritaire ? Le mot était un peu fort, mais un peu d'autorité. Donc, lorsque Saint-Quentin apprend leur mort, Saint-Quentin est frappé par ça ? Saint-Quentin était frappé. Personne ne s'y attendait, bien évidemment. Tout le monde était stupéfait de ce qui s'était passé. Le 22 janvier 1997, 2 jours après la découverte des corps, un juge d'instruction est nommé et une information est ouverte pour assassinat et séquestration. Avec une priorité, retrouver Jean-Baptiste Hennequin. On surveille les gares, les stations de taxi, de bus, les hôtels de la région. On installe des barrages routiers sur les grands axes. La traque. Les policiers veulent en savoir plus sur ce mystérieux veilleur de nuit, sur ses fréquentations, ses habitudes, tout ce qui leur permettra peut-être de retrouver sa trace. Le point de départ, c'est le studio de la rue de l'Est. À 61 ans, Hennequin y habitait seul. L'homme s'est marié jeune, il a eu 3 enfants, puis il a divorcé. Il n'a pas revu sa famille depuis plus de 25 ans. Dans son quartier, il vit en ermite, ou plutôt en ours mal léché. Lorsque nous entendons les riverains, on s'aperçoit qu'il est toujours prêt à les injurier parce qu'ils font du bruit, ils sont prêts à les harceler parce que les colombes qui sont tassées dans le fond du jardin roucoulent et l'empêchent de dormir, parce que des enfants qui sont chez le psychiatre riverain pleurent. En fait, bref, il est toujours en butte à des différends et à des démêlés avec ses voisins. Jean-Baptiste Hennequin a une obsession, les aboiements de chiens. Ces chiens qui l'empêchent de dormir le jour, lui qui travaille la nuit. Un de ses anciens voisins n'a pas oublié ses accès de violence.
Jean-Baptiste Hennequin a rencontré une voisine du quartier par rapport au problème de bruit de chien. Et comme tout dialogue, a giflé cette dame. Une autre propriétaire de chien s'est vue bousculer un jour dans la rue de l'Est. Un autre voisin s'est vu harceler au téléphone la nuit parce que lui aussi possédait un chien et qui de temps en temps aboyait. Autrement dit, rue de l'Est, on n'est pas vraiment surpris d'apprendre qu'Hennequin a pété les plombs. Hennequin avait tellement manifesté de violence et d'agressivité autour de lui que ses voisins, même s'ils ne s'attendaient pas à une telle violence, imaginaient très bien qu'il pouvait être dans la peau d'un suspect. Pour les policiers, c'est clair. Le veilleur de nuit s'est fait tant d'ennemis dans ce quartier qu'il ne peut pas s'y cacher. Alors peut-être a-t-il gardé des contacts avec ses anciens employeurs. À l'hôtel Le Florence, où Hennequin a travaillé un an, on le décrit comme émotif et impulsif. Et on dit même « il n'aimait pas les patrons, en règle générale ». Les employés du Grand Hôtel ne disent rien d'autre. Lorsque nous entendons ses collègues, on nous dit qu'il est très souvent rancunier, qu'il n'accepte pas la critique, qu'il n'accepte pas les observations, les réprimandes de la direction. Tous les témoignages concordent. Hennequin est un solitaire, autoritaire et irascible. Mais dans son travail, il ne manquait pas aussi de qualité. Salarié du Grand Hôtel depuis 7 ans, c'était l'employé modèle. Élégant, cultivé, parlant couramment anglais. Un exemple pour certains de ses jeunes collègues, comme pour Jean-Charles Dervillet, serveur au président, le restaurant de l'hôtel. Il m'a appris dans mon travail comment parler aux gens, comment servir les gens, comment me comporter devant la clientèle. C'était avec quelqu'un à qui je parlais vraiment de tout, de mes hobbies, mes passions. C'est vraiment avec quelqu'un, j'avais l'impression que je pouvais parler. En même temps, c'était quelqu'un qui avait largement l'âge d'être mon père, donc j'ai senti une confiance s'installer entre nous. Et puis, honnêtement, oui, je parlais vraiment bien avec M. Hennequin. Jean-Baptiste Hennequin, qui avait travaillé en Angleterre, donnait des cours d'anglais dans une association de Saint-Quentin. Léon Ramette, dont le compagnon suivait ses cours, l'a bien connu. Jean-Baptiste Hennequin, il était très bien, il était proche de ses élèves, il était jovial, il avait d'ailleurs une méthode tout à fait particulière, un livre spécial qui était particulièrement gai. Il était très agréable et dans ses conversations très très érudit. Et puis, il manifestait un intérêt tout particulier pour les marais d'île. D'ailleurs, après, il s'est proposé de faire des visites du marais d'île. Le marais d'île, l'autre grande passion de Jean-Baptiste Hennequin. C'est une vaste réserve naturelle située à l'entrée de Saint-Quentin. Passionné de botanique et de grands espaces, Hennequin s'y promenait dès qu'il avait un moment de libre. Il faut dire qu'avant l'hôtellerie, il avait travaillé longtemps chez des horticulteurs. La PJ met le parc sous surveillance, on ne sait jamais. Les jours passent. Toujours pas la moindre trace d'Hennequin, ni de la polo noire, de la réceptionniste. Il y a une psychose qui s'empare de la population. On dit qu'Hennequin va continuer à terroriser les foules. Il a eu différents démêlés avec certaines personnes, et notamment d'autres tenanciers et d'autres responsables d'hôtels. Et la psychose veut qu'il serait à même de continuer ses actes à l'adresse d'autres personnes de Saint-Quentin. Et pendant qu'on recherche Hennequin, on commence à se demander quel aurait pu être son mobile. Pour quelle raison cet homme aurait-il tué ses deux patrons et sa collègue de travail? Les policiers sont convaincus que c'est au Grand Hôtel que se trouve la clé de ce triple meurtre.
Pourquoi tuer les patrons et la réceptionniste? Pourquoi eux et pas le groom? S'agissant de M. Roupiot, effectivement, les relations avec NK étaient, on va dire, bonnes. Parce que NK avait bien intégré la responsabilité et les directives données par Roupioz. Mais Léo Roupioz venait rarement à l'hôtel. Le plus souvent, il était à Paris, où il dirigeait des agences de voyage. En son absence, c'est sa compagne, Gisèle Künzler, Madame Gisèle, qui dirigeait l'hôtel. Et entre le veilleur de nuit et Madame Gisèle, le courant ne passait pas. Ces deux personnes sont à peu près de la même génération. Monsieur Henquin a un peu plus de 60 ans. C'est un homme qui, effectivement, a beaucoup bougé, a eu beaucoup d'emplois différents et qui revendique, de ce point de vue-là, une expérience professionnelle, humaine, une culture, une épaisseur, en quelque sorte, assez étendue. Et Madame Künzler est, elle aussi, une femme qui a de l'expérience, qui a sa personnalité, qui dès lors, effectivement, a parfois eu des altercations assez nettes avec M. Henka, qui était quelqu'un d'assez ferme sur ses positions dans la vie de tous les jours de l'hôtel. Ouais, des disputes entre Mme Gisèle et M. Henka, toujours... Ouais, c'était des disputes, la voix un peu plus fort, ça se traduisait comme ça, c'était rarement non plus... C'était pas non plus des colères, mais de par leur façon de s'exprimer à deux, on sentait bien qu'ils s'appréciaient pas, quoi. Oui, ils s'appréciaient pas. Et ces disputes dégénéraient de plus en plus souvent. La veille du drame, Léo Roupioz a même rédigé une lettre d'avertissement à Henquin. Une lettre dans laquelle il reprochait au veilleur de nuit d'avoir été grossier et diffamatoire avec Gisèle Künzler. Et il exigeait des excuses écrites. Cette lettre, Henquin ne l'a jamais lue. Léo Roupioz est mort avant de la lui envoyer. En fait, Jean-Baptiste Henquin ne supportait pas la moindre critique. Il régnait en maître sur la réception et refusait de partager son poste avec la réceptionniste de jour. Michel Fabrice, qui avait le grand défaut d'être une amie de Madame Gisèle. Elles avaient toutes les deux une relation assez privilégiée. L'âge de Madame Fabrice et de Madame Künzler l'explique. Madame Künzler avait près de 70 ans, Madame Fabrice en avait 25, ça aurait pu être sa fille. Et effectivement, je crois qu'elles avaient de bonnes relations et qu'elles s'entendaient très bien. Il y a l'un des employés, si je me souviens bien, qui venait d'écrire le fait qu'elles échangeaient sur leurs horoscopes, etc. Donc elles étaient dans une espèce de relation qui excédait un peu une relation de base dans le monde du travail. Pour Henquin, Michel Fabrice était trop lié à Gisèle Künzler. Elle ne pouvait être qu'une ennemie. Monsieur Henquin voyait Madame Fabrice comme quelqu'un qui rapportait tout à Madame Gisèle. Et une fois, il m'a cité l'œil de Moscou. Il m'a dit c'est l'œil de Moscou. Alors, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, au moins il me le dit, j'ai su après, mais oui, il la voyait comme ça, comme quelqu'un qui, dès qu'elle savait quelque chose, l'appelait. Il la voyait comme ça. Henquin ne la supportait plus, et il ne s'en cachait pas. Donc M. Henquin m'a dit une fois, elle m'énerve tellement qu'un jour je pense qu'on la retrouvera étalée sous la réception. Et c'est ce qui est arrivé. Henquin était en train de s'enfoncer dans la paranoïa, le sentiment de persécution. Il voyait des ennemis partout. Au premier rang desquels, Michel Fabrice et Gisèle Künzler. Au Grand Hôtel, le climat était de plus en plus pesant. Léo Roupioz n'avait plus le choix. Il devait se séparer de son veilleur de nuit. Le 13 janvier, une semaine avant le drame, il lui avait adressé un courrier au sujet de sa prochaine retraite. On pense que cette lettre est... un dernier conflit avec Mme Künzler, la veille ou l'avant-veille des faits, aurait pu être, on va dire, l'agent déterminant pour le crime. De la haine accumulée. Ça colle avec les lettres trouvées sur le corps de Léo et de Gisèle. Mais comment un homme intelligent et cultivé a-t-il pu en arriver là ? Jean-Baptiste Henquin naît en 1935 à une quinzaine de kilomètres de Saint-Quentin. À Fresnoy-le-Grand, un gros bourg de 2500 habitants. Il a deux sœurs plus âgées. En interrogeant les anciens du village,
les gendarmes reconstituent une histoire familiale, très spéciale. Le père de Jean-Baptiste était un marginal, au surnom curieux. On l'appelle, on le surnomme le Landru. Pourquoi ? Son attitude. Il porte une cape, il est grand, costaud, on le dit à plus d'un mètre 90, 120 kilos. Il a la barbe grise, la longue barbe grise. Et visiblement, il perturbe par son attitude et il fait peur. À Fresnoy-le-Grand, Hennequin père dirige une bonneterie. Mais le bonhomme préfère le bistrot à son commerce pour dames. Il a une personnalité tout à fait hors du commun, chantant l'air international devant la gendarmerie lorsqu'il était les ivres pour essayer de narguer les gendarmes, narguant les instituteurs, narguant le maire à toute reprise, à chaque fois qu'il sort. Le personnage fait jaser, et plus encore quand sa femme disparaît, subitement, juste après la naissance de Jean-Baptiste. De 1936 à 1938, personne du voisinage, personne de la commune ne semble voir la maman de Jean-Baptiste Hennequin. La rumeur est persistante dans la commune. On dit, c'est très, 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 vraiment très persistant. Tout le monde dit que le papa de Jean-Baptiste Hennequin séquestre sa maman et ensuite qu'il l'aurait tuée. Vrai ou faux, personne en tout cas n'a jamais su comment sa mère avait disparu. Le père de Hennequin meurt, lui, dans un accident de voiture en mai 1940, pendant l'Exode. Désormais orphelins, les trois enfants Hennequin sont placés dans des familles ou des centres d'accueil. La fratrie se perd de vue. Jean-Baptiste n'a que 5 ans. Hennequin vit là un nouveau traumatisme. Il est allé de famille d'accueil en famille d'accueil, ça ne s'est jamais bien passé. Ça a toujours été un petit peu le vilain petit canard à chaque fois qu'il était placé dans une famille. Les foyers, c'est pareil, ne supportaient déjà pas l'autorité, donc ça se passait mal. Des familles d'accueil qui, dans cette Picardie pauvre de l'après-guerre, l'obligent à travailler dès l'âge de 14 ans, alors que lui n'a qu'une envie, poursuivre ses études. On lui a toujours fermé les portes de l'enseignement, et encore plus, qui plus est, de l'enseignement supérieur. Et c'est cette situation qu'il vivait très mal. Il a toujours traîné un petit peu ce fardeau toute sa vie parce qu'il avait besoin de reconnaissance. Intelligent, doué, Hennequin acquiert tout seul une grande culture. Les langues étrangères, la botanique, l'ésotérisme aussi. À côté de cela, il multiplie les petits boulots, jardiniers, serveurs, cuisiniers ou veilleurs de nuit. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours fait preuve d'une grande instabilité professionnelle. Et puis, il partait toujours pour les mêmes raisons. C'est qu'il était incompris, qu'il faisait l'objet de reproches. On voit bien que c'est quelqu'un de caractériel, qui a quand même un profil psychologique très particulier. Et puis, qui souffre depuis sa plus jeune enfance d'un trouble de persécution. En janvier 97, au moment des trois meurtres, Jean-Baptiste Hennequin est un homme seul, en fin de carrière. Il a 61 ans et il est dominé par un profond sentiment d'injustice. Personne ne l'a jamais reconnu à sa juste valeur. Et les autres, Roupioz, Madame Gisèle ou la petite Fabrice, ont tout. L'argent, la reconnaissance, l'amour ou la jeunesse. Alors ce qu'il faut dire maintenant, Dominique Rizet, c'est qu'au moment de l'affaire du Grand Hôtel de Saint-Quentin, Jean-Baptiste Hennequin a déjà un passé judiciaire assez lourd que son entourage ignore. Première affaire, première condamnation, 1967. Il a 32 ans, il est marié, il a 3 enfants. Il dira plus tard qu'il voulait renouer avec sa femme, ils étaient en instance de divorce. Ils partent en voiture tous les deux, ça tourne mal, il se jette sur elle, il lui serre le cou, elle perd connaissance, et lui ne trouve rien de mieux à faire que de l'abandonner comme ça, au bord de la route, après l'avoir déshabillé, avoir jeté ses vêtements dans un buisson et lui avoir volé 200 francs, 30 euros dans son sac à main. Il pensait qu'on pourrait croire à un crime sexuel. Heureusement pour elle, un automobiliste passe par ici, la récupère, l'emmène à l'hôpital, elle va s'en sortir. Il est condamné par le tribunal correctionnel de Laon à 3 ans de prison. Quelques mois plus tard, le divorce est prononcé à ses torts exclusifs. Il n'en verra jamais ni son ex-femme, ni ses 3 enfants. 20 ans plus tard, 1985, là ça se passe à Paris dans le bois de Boulogne, deuxième affaire. Hennequin se retrouve dans un mauvais trip. Il a sur lui une arme à grenaille, il va tirer sur un travesti qui va perdre un œil. Le travesti dira « Il m'a dérangé dans mon travail, j'étais obligé d'intervenir, d'essayer de le faire fuir. »
Lui expliquera que le travesti s'est jeté sur lui et qu'il a réagi le premier et qu'il lui a tiré dessus. En tout cas, il se retrouve devant la cour d'assises de Paris. Et là, il écope de 3 ans de prison, dont 1 an ferme seulement. Je dis seulement parce que c'est quand même un verdict qui est assez clément pour quelqu'un qui est déjà connu pour des faits de violence, dans une affaire qui était quand même sérieuse. Voilà donc qui est Jean-Baptiste Hennequin. Voilà l'homme que recherche la police. L'homme reste introuvable. Mais le 29 janvier, 9 jours après la découverte du massacre, on retrouve la voiture, la Polo Noire, de la réceptionniste. La Polo Noire est à Amiens, dans le quartier des gares. Le commissaire Sarrazin et ses hommes s'y rendent immédiatement. Et dans le coffre de la voiture... On y retrouve une petite hachette qui semble avoir été l'instrument du crime. Les recherches sur cet instrument permettent de démontrer qu'elle avait effectivement été utilisée, puisque des traces de sang, notamment, ont été relevées sur la hachette. Les expertises biologiques sont formelles. Ces traces correspondent au sang de Gisèle Künzler et de Michel Fabrice. La hachette est donc bien l'une des 2 armes utilisées par le meurtrier du Grand Hôtel. Les policiers découvrent sur la Polo des tracts publicitaires qui leur permettent de reconstituer la fuite d'Hennequin. Ce sont les recherches sur les tracts et sur les différents documents laissés sur le véhicule, documents publicitaires, qui nous permettent d'affirmer avec précision l'heure du dépôt, du stationnement du véhicule. L'assassinat a lieu le 20. Le 20 à midi, ce véhicule-là est stationné définitivement à l'endroit où on l'a trouvé. Hennequin a donc abandonné la Polo à midi. Mais pour aller où ? Vu l'emplacement de la voiture, à mi-chemin entre 2 gares, il a pu prendre 2 directions. La gare Saint-Roch est une gare qui permet rejoindre la côte et par la côte au niveau de Calais, l'Angleterre. Ce qui aurait pu être un objectif et un but pour Hennequin qui parlait anglais couramment, qui avait travaillé en Angleterre, qui avait peut-être des acquaintances en Angleterre et qui pouvait assez facilement peut-être trouver à se loger, tout au moins à se cacher, dans les îles britanniques. La PJ d'Amiens transmet cette information à Scotland Yard, au cas où. Mais il y a une seconde hypothèse. De l'autre côté de l'avenue, il y a l'autre gare d'Amiens, la gare principale. Peut-être également la possibilité pour Hennequin de rejoindre par le biais de la gare centrale, la capitale, et puis là également se fondre très rapidement dans la foule et échapper pour un temps plus ou moins long aux recherches. Les policiers mettent en place une ligne téléphonique spéciale pour recueillir tous les témoignages possibles. Et ça marche. La présence d'Hennequin est signalée à Paris. Des témoins dignes de foi qui connaissaient Hennequin nous disent avoir vu Hennequin graviter autour du Marais et également autour de la place Saint-Michel. L'homme se cacherait donc dans la capitale ou au moins dans la région parisienne. Les policiers se disent que pour survivre, il va falloir qu'il trouve du travail. On a sensibilisé le syndicat d'hôtellerie, puisqu'il connaissait parfaitement le travail de la réception, voire le travail du service en table, de la restauration, voire de la cuisine, puisqu'il avait gravité à plusieurs reprises dans des restaurants, dans des hôtels. Aucun restaurant de la capitale ne contactera jamais la PJ d'Amiens. Les policiers perdent sa trace. Nous étions pratiquement au point mort, puisque toutes les vérifications ont été faites. Et puis Hennequin, encore une fois, était quelqu'un de solitaire, quelqu'un d'austère, quelqu'un qui ne se liait avec personne. Et donc, les chances de le retrouver paraissaient de plus en plus infimes. La crainte, c'est qu'Hennequin réapparaisse à l'occasion d'un nouveau meurtre. Car si l'homme a déjà tué 3 fois par frustration, il peut tuer encore. Un coup de chance va aider les policiers à Paris, 4 mois après le drame. Paris,
22 mai 1997, 8h du matin. Le commissariat de la Porte Saint-Denis du 10e arrondissement reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, le gérant d'un petit hôtel du quartier. On lui a volé la recette de l'hôtel, près de 5000 francs, environ 750 euros, qui était dans une enveloppe. Il est convaincu que c'est un client qui a fait le coup. Les policiers débarquent immédiatement et fouillent l'établissement, étage par étage, chambre par chambre. Dans l'une d'elles, un homme, âgé d'une soixantaine d'années. On lui demande évidemment comment il s'appelle. Il me dit « Je m'appelle Jean Dampierre, je suis de passage, je suis là depuis quelque temps. » Bon, on lui dit qu'on va fouiller sa chambre, il n'était pas très content. Le commissaire s'approche alors de la grande armoire de la chambre et l'ouvre. Immédiatement, on a vu qu'il y avait deux grosses boîtes de munitions. On sort les boîtes et « Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites avec ça ?»« Oh non, mais j'ai été agressée, vous savez, maintenant je me méfie. C'est très dangereux, on vit dans un monde très dangereux. » En plus, il s'exprimait très bien, monsieur qui avait l'air très bien. Sur l'étagère du bas, la commissaire Chassagne met la main sur une arme. Une arme de guerre. Un pistolet semi-automatique de type M16. Les policiers n'en reviennent pas. Qu'est-ce que vous faites avec une mitraillette dans votre chambre? Non, mais je vous l'ai déjà dit. Moi, on m'a agressé. Je ne suis pas du style à me laisser faire. Tout ça. On continue à fouiller. On trouve des articles de journaux. Découpé, et là, avec le collègue avec qui j'étais, on regarde, et on se rend compte qu'en fait, ces articles concernaient un triple assassinat au Grand Hôtel de Saint-Quentin qui avait été commis courant janvier de la même année. Cette perquisition pour vol prend une drôle de tournure. Que fait donc cet homme avec une arme, des munitions et des articles sur un fait divers de Saint-Quentin? En tout cas, celui qui se fait appeler Jean Dampierre garde son calme. On ne peut pas dire qu'il panique. Non, non, il a quand même un certain recul et il n'est pas paniqué. Non, il n'est pas paniqué. Il est agacé, mais il n'est pas paniqué. Les policiers poursuivent leur fouille. Ils tombent sur une carte orange. C'est Dampierre, plus jeune, mais il porte un autre nom. On a trouvé des papiers au nom d'Hennequin et Jean-Baptiste. Et dans sa table de nuit, on dit « Attendez, vous vous appelez comment? Vous appelez Dampierre? Vous appelez Hennequin ?» Les policiers l'embarquent. Direction le commissariat où il est placé en garde à vue pour détention d'armes. Il passe le nom de Jean-Baptiste Hennequin au fichier. Et là, ils n'en reviennent pas. L'homme qu'ils viennent d'arrêter est recherché pour un triple assassinat au Grand Hôtel de Saint-Quentin. Ah ben alors là, on est scotché, hein. Il n'y a pas d'autre mot, on est scotché. Parce que je vous dis, en plus, ce monsieur, c'est monsieur tout le monde. Il a les cheveux grisonnants, il est habillé tout à fait convenablement, quand il s'exprime très bien. Les policiers parisiens contactent leur collègue Damien. Ça y est, ils tiennent leur homme, ils peuvent venir le chercher. En attendant, la commissaire Chassagne évoque avec Hennequin le triple meurtre de Saint-Quentin. Et le veilleur de nuit reconnaît les faits. Pire, il les revendique. Et dans la discussion, je lui dis, mais comment vous avez pu faire ça, quoi? Et en fait, il me dit, oui, mais de toute manière, mes patrons, c'était des salauds, ils ont eu que ce qu'ils méritaient. Il a justifié tout ce qu'il a fait, quoi. Pour lui, ben, c'était normal. Il avait raison. Il avait raison. Il n'avait aucun remords. Le lendemain, le 23 mai, les policiers d'Amiens récupèrent Jean-Baptiste Hennequin, direction Saint-Quentin, directement chez le juge d'instruction. Devant le palais de justice, la population attend l'assassin du Grand Hôtel. Sous les insultes des badauds, Jean-Baptiste Hennequin est arrivé au palais de justice de Saint-Quentin vers 15h, recroquevillé sous un gilet pare-balles. Il s'est entretenu avec son avocat commis d'office avant d'être présenté au juge d'instruction chargé de l'affaire. Au milieu de la foule, Damien Bécard, journaliste à l'Union, assiste à l'arrivée du veilleur de nuit.
Il se passe un truc assez incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça dans ma courte carrière professionnelle, mais quand même, des gens qui crient derrière les grilles à mort. C'est presque effrayant. On se dit, mon Dieu, les faits sont horribles, mais est-ce que s'il n'est pas encadré, est-ce que s'il n'est pas protégé, il ne va pas se faire lyncher sur place. C'est un truc très inhabituel. Hennequin passe 2 heures dans le bureau du juge, avant de retourner affronter la foule et les journalistes. Ça va, ça vous amuse ? Il sort avec le gilet pare-balles, la tête découverte, et il va mettre un coup de pied à un photographe d'un quotidien. La réflexion que je me suis faite, c'est ben voilà, cet homme, il a 60 ans passés, mais il est bien valide, bien costaud, il a peur de rien, quoi. Jean-Yves Lourgouillot, à l'époque, vous êtes le juge d'instruction qui est en charge de ce dossier. Comment se comporte Hennequin la première fois que vous le voyez dans votre cabinet? Première surprise, j'ai affaire à quelqu'un qui est, j'allais dire, banal. Un homme qui ne ressemble pas à quelqu'un qui a subi 4 mois de cavale, quelqu'un qui n'a pas un discours délirant, ce qui peut, lorsqu'on met en parallèle avec les faits qui lui sont reprochés, surprendre, et quelqu'un qui, manifestement, accepte de s'expliquer. Tout de suite, je lui pose la question, est-ce que vous reconnaissez les faits? Oui, je reconnais les faits. Alors qu'est-ce qu'il vous raconte exactement sur l'enchaînement des faits? Alors il explique qu'il a pris son service normalement. Vers 22h, me dit-il, il quitte son lieu de travail. Oui. Il se rend chez lui. Il se saisit de 2 armes qu'il a chez lui, c'est-à-dire une hachette et un fusil 22 long rifle. Ça lui prend 10 minutes. Il revient à l'hôtel. Et vers minuit, me dit-il, il décide de monter à la chambre de M. Roupioz et de Mme Künzler. Il ouvre la chambre avec son passe, il les réveille et il dit qu'il vient pour parler. Et M. Roupioz lui aurait dit « mais dégage de là ». Et il aurait répondu « mais vous voyez, c'est comme toujours, avec vous on ne peut pas dialoguer ». Et là, très rapidement, il passe à l'acte. C'est-à-dire ? Mme Künzler se réfugie dans la salle de bain. Il a fait revenir dans la chambre où se trouve M. Roupioz. Et là, il leur porte des coups de hachette, plusieurs coups, très fort. Et ensuite ? Ensuite, il redescend, il regagne la réception, il écrit 2 mots à l'attention de chacune des victimes, qui sera le résumé des griefs qu'il leur porte. Il remonte dans la chambre et va poser ces 2 mots sur chacun des corps. Il redescend, il continue son travail de veilleur de nuit et arrive sa collègue, Madame Fabrice, vers 7h du matin. Mmh. Il l'accueille, comme d'habitude, et il lui tend un guet-apens, c'est-à-dire qu'il lui explique qu'il y a une fuite d'eau au sous-sol. Il la suit. Il a la hachette dans sa ceinture, il a l'arme dissimulée. Une fois en bas, eh bien, il lui énonce les griefs, et là, à nouveau, il passe à l'acte. Reste le groom. Il l'enferme donc, il remonte, il va servir les derniers clients, et finalement, à son tour, il quittera l'hôtel pour regagner son domicile. Il mettra le feu d'ailleurs à son domicile avant de quitter définitivement Saint-Quentin. Alors le pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a à dire sur le pourquoi ? Pourquoi tuer 3 personnes dans des conditions abominables comme celle-là ? Alors, il expliquera qu'envers chacune de ces personnes, il aura un grief particulier. Mais il y a un décalage, évidemment, entre les griefs et la violence des actes commis. Il se rend compte du décalage ou pas ? Je crois pas. Je crois pas parce que, tout au long de l'information judiciaire, son objectif, ce sera d'essayer d'étayer, de conforter ces griefs. J'ai eu l'occasion de lui expliquer qu'une relation de travail, c'était forcément un lien de dépendance, de subordination. Il ne comprend pas ça, il a l'impression que tout le monde lui en veut. Il ne peut pas comprendre qu'on puisse lui reprocher même des actes futiles de sa vie professionnelle. Pour lui, c'est quelque chose d'intolérable. Vous allez organiser une reconstitution quelques semaines plus tard. Est-ce qu'il y
participe volontiers. Il vient, il fait sa mauvaise tête, c'est-à-dire qu'il m'explique qu'il ne veut pas participer à la confrontation. Il me reproche finalement de ne pas avoir instruit le dossier comme il entendait, c'est-à-dire de ne pas avoir enquêté sur les victimes. Et donc il décide de ne pas participer. Oui, ce qu'il aurait voulu, vous, que vous fassiez une enquête qui justifie finalement qu'il les ait tués, quoi. Ben pour lui, l'instruction, c'était l'occasion, j'allais dire, de continuer son œuvre. C'est-à-dire que j'avais l'impression que s'en prendre physiquement aux victimes, c'était une chose, mais il voulait continuer. Il voulait les salir. Il voulait les salir. Le juge d'instruction renvoie Jean-Baptiste Hennequin devant la cour d'assises de Laon pour triple assassinat et séquestration. Il risque la prison à perpétuité. 17 juin 1999, premier jour du procès, au palais de justice de Laon. Le veilleur de nuit du Grand Hôtel pénètre dans la cour d'assises. Bon, faites rentrer l'accusé. Veuillez vous asseoir. Le président de la cour d'assises n'a pas oublié l'arrivée du veilleur de nuit dans le box. Jean-Baptiste Hennequin rentre dans le box de la cour d'assises, déterminé, sûr de lui, une grande froideur affective. Il se tient très droit. Il regarde l'assistance, il a des lunettes, donc son regard n'est pas toujours facile à percevoir. Il est très, très straight, très propre, bien habillé. Il ne fait pas ses 60 ans passés. Il fait quelqu'un de costaud, de valide, voilà, et capable d'apporter du répondant. L'accusé a reconnu les faits et les assume. Il sait qu'il sera condamné à une lourde peine, sans doute la peine maximale. L'enjeu est ailleurs. La cour espère comprendre pourquoi cet homme a massacré ses patrons et une jeune réceptionniste. Au pistolet mitrailleur, et à coups de hache. L'audience débute par l'examen de personnalité. On revient sur l'enfance chaotique d'Hennequin, la disparition de ses parents, les familles d'accueil, ses ennuis judiciaires. Mais l'évocation de ce passé tourne court. Au cours de ce procès, nous avions tenté de faire venir des membres de sa famille, ses anciennes épouses ou compagnes, ses enfants. Et tous nos efforts ont été vains. Hennequin était seul à la cour d'assises, seul pour assurer sa défense. Personne n'a voulu venir parler de lui. Et lui n'a pas envie de se livrer, de raconter ses fragilités, ses souffrances anciennes, ses échecs. Tout ça ne l'intéresse pas. Pour Jean-Baptiste Hennequin, c'est pas le nœud du problème. Le nœud du problème et sa comparution devant la cour d'assises, c'est pour répondre de ce triple meurtre. C'est pas pour qu'on vienne parler de lui. C'est pas non plus pour qu'on essaie de trouver dans une rumeur qui a pu circuler sur son père le fait justificatif ou le fait qu'il, à un moment, ait pu poser un problème dans sa construction. Je suppose, Dominique, que Jean-Baptiste Hennequin a vu des experts psychiatres. Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors ça va être un peu difficile pour eux de diagnostiquer le personnage parce qu'en 1997, quand ils viennent le voir en détention à la demande du juge d'instruction, ils refusent de leur parler. Alors on va être obligé, pour savoir un peu qui il est, d'aller exhumer de son passé judiciaire ces deux vieilles expertises, un examen médico-psychologique et un examen psychiatrique qui ont été réalisés 10 ans avant. Ah oui, au moment de l'affaire de l'agression du travesti du Bois de Boulogne. Exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'il ne présentait à l'époque aucun trouble psychiatrique, mais une instabilité caractérielle que les psychiatres observent au travers de cette espèce d'errance professionnelle qui fait qu'il change tout le temps de boulot, qu'à chaque fois qu'il quitte un patron, il claque la porte, que ça se passe toujours mal. C'est quelqu'un qui souffre d'un sentiment de persécution, c'est l'impulsif qui réagit beaucoup plus qu'il ne réfléchit. Alors, il y a un passage qui est très intéressant ici. Il raconte qu'en 1981, il est allé consulter un médecin généraliste pour une simple grippe. Et que ce généraliste lui a dit « Vous me semblez instable et nerveux, vous devriez voir un psy ». Et Hennequin a accepté. Ce psy lui a proposé une hospitalisation d'un mois, une sorte de… pas quelque chose de très grave, qu'une cure de sommeil. On lui a prescrit des anxiolytiques à l'époque. Et ce psy, Christophe, il avait bien percuté sur la personnalité d'Hennequin. C'est juste quelqu'un que l'anxiété accompagne en permanence. Où qu'il soit, quoi qu'il fasse, une anxiété qui l'empêche de dormir, qui provoque chez lui des hantises, des peurs, et il dira que c'est pour ça qu'il était assez souvent armé. Voilà qui était déjà Hennequin
10 ans avant le drame du Grand Hôtel. Deuxième jour du procès. La cour aborde maintenant les faits. Dans le box, Hennequin change d'attitude. Il était silencieux à l'évocation de sa vie. Il est maintenant offensif, intarissable même, sur tout ce qu'il a pu endurer au Grand Hôtel. Hennequin s'est présenté en victime, de brimades, de vexations, etc. Voilà. Supportant plus les reproches, alors que lui avait une haute estime de son travail, de ce qu'il faisait, sa prestance, des services rendus aux clients, etc. Donc il a nourri des ressentiments très très forts. Il dit qu'il était victime d'une tyrannie, d'un complot. La preuve, la lettre dans laquelle Léo Roupioz l'informait de sa prochaine mise à la retraite. Cette fois-ci, on venait remettre en cause à la fois sa personne, à la fois son travail, mais aussi on venait l'atteindre, lui, au plus profond de ce qu'il était, en estimant qu'il n'était pas capable, ou qu'il faisait mal son travail. Et ça, je pense que pour Jean-Baptiste Hennequin, c'était quelque chose de tout à fait insupportable. Le Grand Hôtel était devenu en quelque sorte sa maison, son domicile, sa nouvelle famille. Et s'étant mis dans la tête qu'il allait être licencié, il trouvait cette décision profondément injuste. Peut-être ça lui a rappelé des souvenirs d'enfance, lorsqu'il avait été chassé de certaines familles ou de certaines institutions. Pour lui, c'était insupportable. Il avait pris cette décision de rompre le lien qui l'unissait au Grand Hôtel. Et donc, il a décidé de tuer ses employeurs et sa collègue de travail. Jean-Baptiste Hennequin raconte cette terrible nuit du 19 janvier 1997, avec une froideur et un luxe de détails sidérants. Tout y passe. La montée dans la chambre 101, vers minuit, le coup de feu tiré à bout portant sur Gisèle Kunstler, puis les coups de hache, tous les coups de hache sur Madame Gisèle et Léo Roupioz. Et le lendemain matin, l'exécution de Michel Fabrice dans la cave à vin. Là encore, il utilise sa hache après lui avoir tiré dessus parce qu'elle bougeait encore. Ose-t-il dire. Puis il séquestre le groom. Vers 9h30, il quitte le Grand Hôtel au volant de la voiture de la jeune réceptionniste. Après cette plongée dans l'horreur, la salle d'audience est transie d'effroi. Dans son box, Hennequin reste impassible, serein. Le président demande alors à l'accusé s'il regrette. Le veilleur de nuit se tourne vers les parties civiles et s'adresse à la famille de Michel Fabrice. Tout le monde va respirer en se disant il va dire quelque chose à propos de cette jeune femme, il va peut-être, parce que c'est aussi une des attentes, émettre une forme de remords, une forme de regret. Et en fait, il va prendre la parole pour dire des choses absolument abominables à la famille. Il est odieux parce qu'il va jeter à la figure, il n'y a pas d'autre mot, jeter à la figure de la mère et de l'époux de la jeune réceptionniste. Si elle avait eu une meilleure éducation, ça ne serait pas arrivé. Encore une fois, il inverse les rôles et là on touche le fond, quoi. C'est insupportable, insupportable pour la famille, évidemment. En quelque sorte, il faisait le procès de ses propres victimes. Après avoir été justicier dans la nuit, au Grand Hôtel, il se transformait en accusateur public à l'audience. Je me rappelle pointant son doigt vers les familles des victimes. Jean-Baptiste Hennequin vient d'achever son œuvre criminelle. Il ne regrette rien, puisqu'à ses yeux, les véritables responsables du drame s'appellent Gisèle Kunstler, Michel Fabrice et Léo Roupioz. Le procès touche à sa fin. L'avocat général réclame la peine maximale, perpétuité avec 22 ans de peine de sûreté. Au juré, il demande la plus grande fermeté. « N'ayez aucun sentiment de pitié, dit-il. Hennequin doit finir ses jours en prison. » Le jury et la cour se retirent pour délibérer, et à peine une heure plus tard, c'est le verdict, la sanction tombe, prison à perpétuité, assortie de 22 ans de peine de sûreté. Monsieur Dambre, aujourd'hui, est-ce qu'il reste à Saint-Quentin des traces de ce qui s'est passé Il reste à Saint-Quentin dans ces années-là. Des traces au niveau de la population et surtout au niveau du personnel. Ils sont toujours un peu traumatisés par ce qui s'est passé
et particulièrement le maître d'hôtel, qui aujourd'hui a toujours la peur de se retrouver face à face de M. Hennequin, si un jour il était libéré. Jean-Baptiste Hennequin est en prison au moins jusqu'en 2019. Il aura 84 ans quand il pourra demander une libération conditionnelle.